do. Always on time, you never late. Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs, très chères femmes, messieurs, comme on les dit, mesdames, demoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Christ à l'avenir, votre mission, l'émission qui vous permet de pouvoir avoir de la connaissance, de pouvoir acquérir plus pour savoir au moins comment évoluer, parce que l'avenir nous attend bien sûr. Alors Ignace Toumba revient à la présentation de cette émission d'aujourd'hui, comprenez que c'est le mois de la femme. Je suis là pour essayer de booster un peu les femmes, pour essayer de parler, échanger avec plusieurs femmes qui ont du moins la pensée sur certains pour apporter un plus dans les gens de la femme. Si tu es femme, je te dis que cette émission te concerne. Alors, vous êtes dans le monde partout, dans le monde entier, vous êtes dans la ville de Professeur Kinshasa, vous êtes en RDC, partout vous vous retrouvez, je vous dis comme ça, bienvenue dans cette émission Cristal à venir. Je peux dire spécial ou pas spécial, mais c'est spécial parce que c'est encore le mois de la femme, c'est pas encore fini, donc on doit savourer ce mois-là. Mais seulement avec plus d'intellectualisme, parce que quand on parle de l'intellectualisme, on apporte plus le savoir, on expose la connaissance de la femme. C'est pourquoi je reviens avec Madame Thérèse Kangour, c'est avec elle qu'on va échanger aujourd'hui. Mais avant que vous puissiez la voir, je salue comme ça la présence de Cordon Jambé Cité Mindaya et la confiance de notre number one, le PDG du Yokasan, M. Delphine Toumba Katendi. Alors, derrière la caméra, je vous signale comme ça la présence de ces caméramens-là qui assurent la visibilité aujourd'hui. Mais je ne citerai pas son nom maintenant pour vous découvrir bon mon nom d'image. Et puis après, on verra quoi. Alors, après ceci, je peux quand même saluer notre invité et vous ne serez pas déçus. Alors, je reviens à vous. Bonjour, Madame Thérèse Kangour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Dieu fait grâce. Tout va pour le mieux sur le mois de la femme. Oui, c'est ça. Et comment est-ce que vous consommez déjà ce mois-là depuis le 8 mars? Parce que c'est de là qu'on se déchaîne. Le 8 mars, aujourd'hui, c'est déjà le 15, le 16. Comment est-ce que vous consommez ce mois de mars 2021? Mais je dirais que ce mois de mars ne commence pas seulement le 8 mars. Le 8 mars, c'est le jour de bilan. C'est vraiment un jour spécial dans le sens que on a eu à passer plusieurs 8 mars depuis 1910, voilà. La période à laquelle qu'on avait dédié cette journée-là pour que ça soit spécial femme. Ok, donc puisque c'est déjà 2021, donc c'est un mois qui n'a pas encore existé. Nous sommes en train de consommer ces femmes avec un thème trop important. Alors, vous êtes aussi attirée par le leadership de la femme? Oui. Tout simplement parce que ce n'est pas question d'attirance, c'est juste question de réveil de femmes, parce que de le remettre dans leur identité, parce qu'une femme n'est pas nécessairement ce qu'on pense. Une femme, c'est un leader. Okay. Parce qu'une femme, c'est un leader dans le sens que quand on voit un homme qui est puissant, on dit que derrière cet homme puissant, il y a une femme puissante. Voilà. Voilà. Vraiment, c'est intéressant. Je crois qu'il y a des femmes qui nous suivent en ce moment. Nous parlons de cette leadership de la femme. Donc, toute femme est leader dans son genre. Alors, vous vous retrouvez dans quel domaine où vous exercez le leadership que vous incarnez déjà? Vous savez que nous, femmes, je le dis avec beaucoup de fierté, nous devons rester femmes parce qu'il n'y a pas de domaine. En réalité, il n'y a pas de domaine. Surtout quand on bénéficie de la grâce de l'Éternel, on a plusieurs casquettes qui fait de nous leaders dans plusieurs choses. Parce que je peux donner l'exemple de Déborah de la Bible. C'était d'abord une servante de Dieu. Épouse, mère, servante de Dieu et puis juge. C'est pour dire que dans tout ça, elle était toujours à la tête. Il est de même comme nous autres aussi. Nous bénéficions de beaucoup de choses que nous ne pensons pas en parler ou l'utiliser. Moi, je suis maman. Donc, étant que maman, je suis leader aussi. Parce que, en réalité, un leader, c'est quelqu'un qui détient une vision. Alors, le fait que déjà d'être maman, donc dans l'éducation, tu inculques une vision de la vie que toi, tu penses que tu peux donner un modèle de vie à tes enfants. C'est ça la leadership, au fait. Et alors, on peut le faire dans la famille. Et étant que responsable, par exemple,
Et comme j'ai ma fondation et qui s'appelle ADISE, qui est Action Diaspora pour le développement des infirmières et de sans-emploi. Et c'est une vision. C'est une vision que je transmets à toutes les infirmières. C'est aussi une vision, quand vous avez vu que emploi et sans-emploi, c'est une vision aussi que je transmets à ceux qui n'ont pas d'emploi, à des sortes de sorte qu'ils puissent sortir dans leur lieu de confort, qu'ils comprennent qu'en arrivant sur Terre, nous avons une mission. À chacun, comme on dit, des talents, à chacun un don. Voilà. Et ces dons-là, on doit les développer pour aller chercher un métier à tout un chacun. Vraiment. C'est là que nous allons développer vraiment pour la leadership, pour le leadership féminin. Voilà. Alors, je crois que toute femme est leader dans son genre. Tu es femme ménagère, tu es femme professionnelle. Partout où tu te retrouves, donc, c'est-à-dire que tu es leader. Il faudrait justement avoir cette connaissance-là et puis c'est laisser faire, exprimer ses compétences, les mettre en valeur pour l'intérêt des autres, n'est-ce pas, Madame Kereskov? Oui, parce que on dit, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc, nous représentons l'image de Dieu. Dieu est intelligent. Des pensées, c'est mal de créer une très belle créature comme ça. Donc, vous représentez la beauté de l'Éternel. Voilà. Vous voyez? Et alors, ce qui fait que moi, dans mes principes, la façon de regarder, j'ai dit qu'il n'y a personne qui peut se dire que je n'ai pas de don. Il n'y a personne qui peut se dire que je suis moins intelligent que l'autre. Voilà. Mais le problème, c'est que si on n'arrive pas à réaliser quelque chose, ça veut dire qu'on a mal analysé. Okay. Et donc, les choses où on se retrouve dans un milieu qui ne t'appartient pas. Okay. Où on était voilà mal orienté. Okay. C'est ce qui fait que tu ne sais pas utiliser tes dons. Mmh. Parce que ce que tu fais doit venir de la profondeur, qui est un don, okay, qui va rencontrer le milieu, voilà, et alors c'est ça qui va approfondir les choses, voilà, pour que ça se transforme en un métier, voilà, pour que tu puisses t'épanouir. Voilà, c'est votre cas déjà, comme je peux le dire. Vous avez dit que vous avez une fondation, alors dites-nous moi le message fort que vous nous apportez aujourd'hui. Je crois que ce serait intéressant, ou alors intéressant pour toute femme qui ne se retrouve pas jusque-là. Ils peuvent profiter de vos idéaux ou alors de votre proposition. Alors, quel est le message fort de la part de cette fondation-là? Le message fort et cette fondation-là, ça vient dans le fait d'avoir fait mes études en Occident, okay, et avoir acquis beaucoup, beaucoup d'expérience, surtout dans mon domaine de la santé. Et avec ce qu'on a vécu en Occident, et on n'est pas, on doit pas, je dois en fait envoyer le message en disant que pour devenir, comme on dit en lingala, okumamoto, okay, pour devenir quelqu'un, si on doit traduire comme okay ça. Donc, cela ne se valorise pas seulement à un diplôme. Les diplômes, moi, je considère ça, c'est comme une autorisation mm-hmm pour pouvoir accéder à un poste. Okay. Mais le problème est que il y a des postes qui ne demandent pas cette autorisation. Donc, okay, dans le sens que tu peux développer quelque chose, et que tu le fais tellement bien, je peux dire comme dans l'espèce de femme. La femme, c'est une bonne ménagère. Voilà. La femme, elle fait bien la cuisine. Mais tu peux regarder dans ce que tu fais dans la cuisine, qu'est-ce que tu fais beaucoup mieux. Okay. Et c'est ça vraiment ta spécialité, et que tu peux aussi le mettre en valeur pour pouvoir valoriser ce que Dieu t'a donné. Mais excusez-moi, ce n'est pas le contraire de ce que vous avez dit, parce que vous-même, vous avez appris, vous êtes passé par les études, vous avez appris, et voilà qu'à l'aide de cette connaissance-là, que vous êtes en mesure de offrir également à certaines femmes des opportunités. Oui, je ne me contredis pas. Vous m'avez bien suivi, j'ai dit que tout le monde est né intelligent. Et alors, il y a ce qu'on appelle le principe d'orientation. Et le principe d'orientation qui n'est pas vraiment très, très développé ici dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, en RDC, oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle je suis venue. Voilà. Mais faire donc un conseiller d'orientation volontaire, de sorte que les personnes, il y a des gens qui ont par exemple des qualifications, mm-hmm, mais qui ont été mal orientés. Okay. Et alors ils ont leur comment dire, un titre et des papiers, voilà, mais ils se retrouvent médiocres, voilà, au poste. Voilà. Tout simplement parce que ce qu'ils ont eu à passer sur le banc de l'école, ou tout ça, ne correspond pas à leur don. C'est parce que le problème, c'est que quand on a un don,
plus d'intelligence innée qu'on a, et qu'on se retrouve dans un domaine où, qui correspond à ce que tu es irréellement, l'intelligence s'accroît et ça se développe. Okay. C'est ce que nous appelons compétence. Parce que si tu ne sais pas travailler, toi qui es journaliste, qu'est-ce qu'on dit? Tu es incompétent. Incompétent. Alors, si tu sais travailler, on dit que tu es compétent. Mais qui est meilleur? Qui est meilleur? Celui qui a appris ou alors celui qui n'a pas appris? Parce que là, vous défendez plus le naturel. Oh, je défends le naturel. Né, en fait. Parce que je défends du naturel, parce que le naturel croise. D'abord, c'est ça. Okay. D'abord, c'est ça. Parce que le problème, c'est que si au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de médiocre, la médiocrité, là, moi, je dirais que ça fait partie des mentions. Comme on dit très bien, moins bien et tout, voilà, médiocre, c'est normal. Oui. Et alors, mais ça ne peut pas être quelque chose qui doit bloquer quelqu'un. Voilà. Quand on te dit tu es médiocre, pose-toi la question, retourne. Pourquoi est-ce que je suis médiocre? Voilà. D'abord, ça veut dire toute femme ne sait pas faire la coiffure. Voilà. Et alors, tu n'es pas coiffeuse, tu ouvres le salon des coiffures, tu vas être médiocre. À chacun son métier. Voilà, c'est la sens qu'il faut vraiment que tu sois conseillé, orienté, pour que tu puisses aller approfondir, pour que tu deviennes professionnel. Voilà. Parce que quand on va dans la formation, que ce soit dans une formation professionnelle, que ce soit universitaire, il faut se mettre en tête, on est tous passés par là. Il y a des cours qu'on maîtrise bien. Voilà. Il y a des cours qu'on ne maîtrise pas. Mais le problème, c'est que cela n'a pas fait de nous moins professionnels que ça. Okay. C'est parce qu'il y a parfois des formations, dans des différentes formations qu'on passe, on nous donne beaucoup de choses, mais chacun doit être vraiment, comment dire, sincère par rapport à sa conscience, dans le sens d'aller chercher ce qui lui correspond, afin de donner la vie meilleure. Vraiment. Alors, je vous signale qu'aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Thérèse Kangou. C'est avec elle que nous sommes en train d'échanger. J'invite comme ça toutes les dames. Nous voulons parler et nous parlons déjà de cette leadership-là. Alors, Madame Thérèse, je crois que nous sommes en train déjà d'évoluer, de savoir mieux sur la fondation. Vous avez défini ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire pour les femmes aujourd'hui. Surtout plus, on a de se remercier à vous quand même parce que vous avez expérimenté plusieurs talents à l'extérieur du pays, mais du moins, vous voulez le mettre en valeur également pour au profit de plusieurs femmes congolaises. Ouais. Alors, comment évoluez-vous déjà dans cette structure-là, puisque ça intéresse les femmes qui jusque-là n'ont pas encore mis en jeu leur talent ou alors qui n'ont pas encore acquéri la connaissance? Oui, et ce que je vais mettre en jeu, en place, pour bien le dire, c'est par, je suis infirmière, et fière de l'être d'ailleurs, et qui tout au long de ma profession, j'ai eu à toucher beaucoup de domaines qui m'a permis d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience. En arrivant ici, je vois la façon dont l'image de l'infirmière ne reflète pas ce que j'ai vécu. Parce que non seulement c'est un métier, c'est une profession. Et l'infirmière lui-même n'a pas son identité. Et alors, je ne vais pas commencer à aller courir, fermer l'école et tout ça, non. Mais ce que moi j'ai dit, je vais aller chercher seulement dans la poubelle là, là où j'ai des infirmières là. Voilà. Les ressortir, les embellir dans le sens, les ramener dans les démarches de soins, des prises en charge. Parce qu'il faut se mettre en tête, les infirmières parfois eux-mêmes ne s'y connaissent pas, ils ne s'identifient pas. Okay. Ce n'est pas leur faute. C'est tout simplement parce qu'on ne peut que donner ce qu'on t'a donné. Hein? Si on m'a pas donné l'argent, je ne sais pas donner non plus de l'argent. On ne donne que ce qu'on a reçu. Et enfin, parce que si on ne l'a pas donné la possibilité d'avoir un bon programme, et alors on demande à ce qu'elle soit super woman. Donc c'est trop compliqué. Oui, alors maintenant le problème est que par rapport à la fondation, on fait ce qu'on appelle le renforcement des capacités des infirmières, les ramener dans l'exercice de leur profession, dans l'analyse des données récoltées à partir de la prise en charge de patients.
on ne note pas seulement pour remplir le fiche, voilà. Mais on doit faire l'analyse. Donc, tu prends déjà les fiches, tu prends une tension, tu prends la température, ouais. Tu dois même regarder que parce qu'il y a tel sur. On amène à quelqu'un de, comment on dit, le raisonnement clinique en fait, okay. Qui n'a rien à voir avec, parce que l'infirmière a le devoir de faire ce qu'on appelle les diagnostics infirmiers, qui n'a rien à voir avec les diagnostics médical. Okay. Donc, le diagnostic infirmière, c'est l'analyse que l'infirmière fait en prélevant les données. Au moment de l'accueil du patient, et alors chaque geste, chaque attitude a une explication. Okay. Et parce que il peut y arriver quelqu'un qui vient et vous retrouver. On fait toutes les analyses biologiques, il n'y a rien. Voilà. Mais pourquoi elle est là? Ça, c'est une question qu'on doit se donner. Okay. Parce qu'une dépression, on ne le retrouvera pas dans le résultat biologique. Vraiment. Voilà. Voilà. Et en fait, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs critiques à l'égard ou alors à l'endroit des infirmières, des médecins, surtout plus en ce qui concerne l'analyse médicale, lorsque le malade arrive à l'hôpital, il doit passer par ceci, il doit ceci. C'est pour relever ce défi-là, peut-être? Oui, et non. Oh, oui et non. Je dis oui et non dans le sens que oui. C'est vrai, l'infirmière n'a pas encore fait le parcours pour qu'elle devienne vraiment infirmière dans le vrai sens du mot. Parce que si vous sortez dans la rue et vous posez la question, c'est qui l'infirmière? Il y a une confusion. Asa docteur, asa mot. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est un défi. C'est okay. Pour ça que j'ai dit oui. Voilà. Et dans le sens que, qu'il faut que l'infirmière porte son identité, sa casquette d'infirmière. Okay. Okay. Il faut qu'il reste infirmier, tout simplement parce qu'il y a les actes que l'infirmière pose, mm-hmm. qui relèvent de leurs compétences, okay. que nous avons apprises à l'école. Mm-hmm. Il y a des actes que l'infirmière pose en collaboration avec le médecin. Voilà. Il fait ça, moi je fais ça, je okay. le complète pour aller dans le même sens. Okay. Il y a les actes qu'on appelle les actes confiés, mm-hmm. que le médecin s'est dit. Ce sont mes actes, mais avec mes infirmières, ça dépend de l'unité où tu travailles. Okay. On vous le confie en disant, quand quelqu'un vient, tu peux directement prélever ça, ça et ça, mm-hmm. pour que après je fasse l'analyse des labos. Okay. Et alors, tout ça, il faut que les infirmières comprennent, mm-hmm. qu'ils ont de responsabilités. Mm-hmm. Et là, moi, je vais dire que l'infirmière, et être infirmière, c'est un métier qui est vraiment noble. Et parce que l'infirmière, c'est la première personne qui accueille un bébé quand il arrive au monde. Voilà, voilà. Et l'infirmière, c'est la personne qui accompagne le malade, uh-huh. jusqu'à la fin de sa vie. Uh-huh. Et que si il perd la vie, malheureusement, c'est elle qui ferme les yeux et met le drap au-dessus. Okay, okay. Et l'infirmière, et c'est elle aussi qui fait la toilette mortuaire. Donc, c'est pour dire qu'il fait la toilette de naissance, il te fait la toilette au courant de votre vie quand tu es malade, et il te fait la toilette, la dernière toilette, avant que tu sois maquillée pour la dernière séjour sur la terre. Voilà. Avant que nous allions déjà pour chuter, aujourd'hui, il y a plusieurs centres de formation, centres infirmiers, voilà, comme on le dit, et c'est partout. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont mal formés, mal encadrés? C'est chaque année en fait où il y a des collations célébrées, et, pas dans le monde mais en RDC. Ils sont mal encadrés ou c'est quoi? S'il faudrait chercher à remédier quand même, parce que vu la compétence que vous avez, l'expérience, vous pouvez aussi ajouter un plus. Oui, à mon niveau, je n'ai pas, comme on dit, le marteau de grand chef pour taper sur la table pour okay. dire que ça suffit, non. Okay, okay. Mais le vrai problème est que pour corriger les choses, c'est par rapport à cette vision que j'ai, voilà. que j'aimerais bien avoir ce qu'on appelle l'espace, mm-hmm. pour créer échange, expérience, d'échange professionnel, mm-hmm. avec les professionnels qui sont sortis, okay. pour aller chercher là où il y a le trou, qu'on puisse le boucher, okay. et là où il y a l'insuffisance, qu'on puisse rajouter, okay. afin que l'infirmière soit au complet.
Au complet. Alors, c'est pas avec quel moyen? Vous êtes seul, vous avez besoin de soutien ou bien vous avez déjà du soutien pour pouvoir ramener quand même cette justesse-là aujourd'hui dans le genre de la femme, bien que dans cette structure ou la leur particularité en sciences infirmières? Non, j'ai pas de soutien. Je peux pas commencer à dire des choses que j'ai pas. Mais avec les petits moyens que j'ai, je fais de mon mieux. Vous n'avez pas besoin de soutien? J'ai besoin. Non, non, vous avez demandé si j'ai des soutiens déjà. Non, j'ai dit je n'ai pas de soutien. Okay. Mais le problème, c'est qu'avec le peu que j'ai, je me débrouille avec, à travers la fondation. Ouais. On fait ce qu'on appelle l'autofinancement. Okay. Mais le problème est que et avoir l'espace stable et le soutien de monsieur, madame, tout le monde et de personnes. Habillé, touché, intéressé pour savoir que renforcer les capacités de l'infirmière, ce n'est pas question de la fondation de Madame Thérèse. Voilà. Et c'est question de vie. Parce que au jour d'aujourd'hui, et tous ceux qui meurent, ils meurent pas seulement parce que cette maladie amène nécessairement à la fin des vies. Okay. Et où cette maladie est grave. Mais parfois les gens meurent, tu te retrouves, toi l'infirmière, tu ne sais pas quel geste poser. Voilà. Parce que ce qu'on avait dit tout à l'heure, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Voilà. Vous voyez, ça c'est une chose. Et il est vraiment important et utile de soutenir cette vision, tout simplement parce que ma vie et votre vie en dépend. Parce que si tu tombes aujourd'hui, le premier geste, de devenir d'infirmière. Parce qu'on a plus des infirmières au coin de chaque coin de la rue que le médecin. Okay. Alors, il faut se mettre en tête, même à l'hôpital, le nombre des infirmières sont énormes par rapport aux médecins. Mais alors, oui, alors maintenant, le problème, c'est que si ces infirmières-là sont régulièrement renforcées, on n'aura pas autant de morts qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est une chose. Et puis, on aura aussi des personnes consciencieux, parce que ils savent, parce que quand on se dit aujourd'hui l'infirmière, d'abord premièrement il n'a pas ce statut, et les infirmières commencent à quitter la peau de l'infirmière pour devenir médecin dans la recherche de l'argent, et puis en même temps quelqu'un qui vient, qui est malade, qui n'est pas bien, et tu te dis avant que je te soigne, donne d'abord ça. Ça, ce n'est pas la vision de l'infirmière. Voilà. C'est ça vraiment le souci de la fondation, ramener l'infirmière dans l'histoire de l'infirmière. Voilà. Parce que l'histoire de l'infirmière, si vous permettez, je peux le dire en deux mots. L'histoire de l'infirmière a commencé avec les femmes veuves. Okay. Alors, les femmes veuves étaient là, parce que quand je regarde bien, en analysant, quand on parlait des femmes veuves à l'époque, c'était avec eux qui s'en occupaient, avec de l'œuvre et tout ça. Mais c'était comme une maladie, comme à l'époque on considérait comme toute maladie, comme un truc mystique. Et alors, cette femme-là, comme ils étaient veuves, on trouvait comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a rien d'autre à faire? Parce que tu as perdu un mari et tu as un deuil à faire. Alors, un deuil là, ça veut dire que tu as quelque chose à donner. De l'amour, tu vois, à donner. Parce qu'il y a une perte. Voilà. Tu vois. Et alors, quand ça quittait ces niveaux-là, c'était avec l'histoire des sœurs. Et alors, c'est pourquoi les sœurs, elles étaient là. Parce qu'ils n'ont pas d'engagement social. Okay. Donc, ça veut dire c'était des personnes dévouées à ce qu'on leur donne comme charge. Voilà. Donc, ils avaient qu'à donner. Okay. Ils n'attendaient rien. Okay. Il fallait donner. Donc, c'est pour dire que le métier d'infirmier, c'est le métier de donner, pas le métier de recevoir. Okay. Donc, tu as. Donc, comment je peux dire? L'infirmière n'a une mission que de donner, et ce qu'on reçoit, c'est peut-être pas visible. Parce que tu reçois ce qu'on appelle la personnalité, tu reçois ce qu'on appelle l'endurance. Voilà. Parce que quand tu vois quelqu'un dans les moments difficiles et que tu dois les stabiliser, donc ça donne la force dans l'esprit en fait. Voilà, en tout cas, je crois que les infirmiers d'ailleurs, travaillent plus que le médecin, je peux dire ça? Non. Parce que sinon, on va créer c'est la guerre. C'est en permanent, tout le temps, c'est elle qui reçoit. Quand il y a un problème, c'est les malades qui réclament. Non, cette infirmière-là, c'est elle qu'on accuse, peut-être c'est elle qu'on remercie. Vous voyez un peu si je peux dire ça. Oui, c'est une façon
de voir des choses de votre manière, mais moi, en tant que professionnelle, je peux jamais analyser les choses dans ce sens-là. Okay. Sinon, parce que c'est déjà une relation, je peux dire, comme relation querelleuse de couple, hein, dont, où chacun tire donc, les draps de son côté. Donc, le médecin veut dire que je suis le meilleur, l'infirmière veut dire qu'on ne me donne pas la place. Donc, commencer à dire que c'est là, ils travaillent plus que l'autre, non. Okay. Alors, le travail, moi, je peux dire que les infirmières, ils travaillent doublement dans le sens, il y a d'abord dans la pratique de choses, dans la prise en charge. Mais je ne sais pas si vous avez vu déjà un médecin qui va faire la toilette au patient. Non, ce sont le boulot des infirmières. Voilà. Les infirmières, ils sont là, par exemple, dans des hôpitaux qui sont modernisés. À chaque, par exemple, sonnette, c'est l'infirmière qui va les voir, qu'est-ce qu'il y a. Mais ça montre comme les gestes qui est inutile, mais c'est utile. Pourquoi? Parce que le rôle que l'infirmière joue en répondant à l'appel au secours du patient quand il appelle, il ne va pas seulement aller répondre, mais il va aller rassurer la personne. C'est un travail qu'il va faire avec la personne, un travail de mise en confiance. Et alors, en dehors de ça, l'infirmière est là pour administrer le médicament. Ouais. Alors, quand il administre le médicament, c'est un travail en collaboration avec le médecin qui a prescrit et toi, tu mets. Donc, chacun travaille, parce que le médecin aussi, il faut réfléchir aussi son cerveau de façon qu'il donne une prescription qui correspond au problème du patient. Wow. Mais l'infirmière ne doit pas être là juste à exécuter. Elle doit aussi réfléchir en disant le traitement est bon. Mais la voie d'administration qu'on a demandé par rapport à l'état du patient, mais cher médecin, je propose, on pourrait passer par la voie orale qui est la voie de la perfusion. Wow. C'est le travail, c'est vraiment une relation, collaboration. Voilà, merci beaucoup. C'est déjà Madame Thérèse Cancourt, je crois que nous tournons vers la fin. Vous avez seulement besoin de ces femmes-là qui sont déjà infirmières pour venir, réactiver un peu leur facteur, ou alors même celle qui n'a pas pris, mais elle veut devenir infirmière, peut venir s'adhérer. Ou alors peut venir s'imprégner dans la fondation. Vous avez dit la fondation, c'est déjà Adizé. Adizé, qui veut dire Action Diaspora pour le développement des infirmières et infirmiers et sans emploi. Voilà. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Il faut dire que ce n'est pas un peu, mais plus. Ouais. Parce que le renforcement des capacités, c'est tout au long de la profession. Oui. Ouais. Parce que, comme par exemple, on se retrouve en période Covid, lavage des mains, on l'a toujours fait. Voilà. Et alors, mais on va se retrouver par exemple face à une formation, comment prendre en charge, comment communiquer, comment faire. Ce sont des formations qu'on doit. Okay. Donc, ce sont des formations de renforcement des capacités et surtout aussi, non seulement la communication de la maladie face à la population pour qu'ils comprennent, mais et pourtant, on a déjà eu le cours. Mais on aura par exemple à introduire par exemple le cours de la communication stratégique pour la période par exemple de la pandémie, pour que les gens puissent comprendre et les mettre en pratique. Alors maintenant, les sans-emploi, c'est des gens comme j'ai dit là, parce que vous avez vu que c'est sans-emploi. Sans-emploi, c'est pas seulement les infirmiers qui manquent de l'emploi. Okay. C'est vrai, ce qui est vrai, il y a plein d'infirmiers qui sont au chômage. Voilà. Quand on te perfectionne, on va aussi nous montrer les astuces. Voilà. Comment est-ce que tu peux aussi être ton propre employeur? Okay. Parce que c'est un beau métier. Moi, je fais ça, j'ai été infirmière indépendante, j'ai été infirmière salariée. Donc, il y a des astuces que je peux montrer aux infirmières qui sont ici congolaises. Comment est-ce qu'ils peuvent créer leur propre emploi et en travaillant en collaboration avec la fondation pour que tu prospères. Mais aussi, les personnes qui n'ont rien à voir avec le métier, parce qu'on a parlé, on va ressortir le leadership. Le leadership, c'est ce qui dit la création de quelque chose. Où on peut te ramener, parce que ce qui est beau dans le métier, et de l'infirmière même à l'hôpital, on a toujours besoin d'autres personnes qui peuvent toujours travailler en collaboration pour soutenir cette profession qui est tellement lourde et chère. Wow. Vraiment. Alors, le mot de la fin, vous pouvez adresser un mot à toutes ces femmes-là qui vous suivent en ce moment. Comment est-ce qu'ils vont vous atteindre? Il y a le siège national, le siège se trouve où? Vous pouvez déjà donner l'adresse, le numéro de téléphone aussi pour toutes femmes qui veulent vous contacter. Je ne sais pas, seulement les femmes ou bien aussi les hommes qui peuvent venir? On parle plus de la femme parce qu'on est au mois de la femme. Mais ouais. Et après le mois de la femme alors?
Mais il n'y aura pas, c'est après ça que le moi, mois de mars. Je pense qu'on aura à parler là-dessus. Voilà, parce que ce n'est pas qu'après le mois de mois mars, de mars oui. Et les femmes sont, ne sont plus là et voilà. Qu'elles soient effacées. Non, okay. La femme continue à travailler. Okay. Normalement, au mois de la mois de février, c'est le jour où on fait le bilan. Okay. Et qu'est-ce qu'on a fait? Okay. Et tout au long, et okay. Ce qu'on va ressortir, voilà. C'est ce qu'on va commencer à travailler tout au long du mois de mars. Mm-hmm. Et on met quelque chose en place pour continuer encore, de sorte qu'en 2022, mm-hmm. hein, parce qu'on est en 2021, mm-hmm. en 2022, oui. Le 8 mars, mm-hmm. qu'on puisse faire un bilan en disant voilà. Combien de femmes mm-hmm. se sont retrouvées au gouvernement, par exemple, mm-hmm. et combien de femmes se sont retrouvées dans le poste ministériel. Okay. Nous sommes en train de chuter, nous finissons déjà cette émission, et une émission dédiée à toutes les femmes. Hein. Toutes les femmes, vous qui êtes découragées, vous pensez que vous n'avez pas assez de compétences pour pouvoir vous relancer dans la société. Mais aujourd'hui, Madame Thérèse Kankou vous dit qu'il y a plusieurs facteurs pour vous permettre de pouvoir évoluer ou alors, comment je vais dire, vous définir personnellement. Et déjà, je demanderai à Madame Thérèse Kankou de pouvoir donner votre numéro de téléphone, il y a secrétaire T parce que Tony Suki Mama Bengio Azoyum Balamoko Azoba coordonnées sur eux pour permettre à que Aya na fondation puis à bénéficier na proposition na yo facilement. Voilà. Oui, pour me contacter, mon numéro de téléphone, j'en ai qu'un, c'est le 085 34 34 500. C'est un numéro qui est très facile. Je recommence 085 34 34 500. Comme la question m'a été posée, oui. Donc par rapport au siège, on n'a pas de siège. C'est qu'il y a une, donc il a la possibilité de nous en donner, nous à disposer, ce sera vraiment le bienvenu, parce que la plupart des personnes qui viennent, on aimerait bien de se situer plus vers Limété, parce que ça permet aux gens de Tchango et les autres Mongafula qui viennent, mm-hmm. et de se retrouver beaucoup plus facilement. Voilà. Ça peut être une école, ça peut être donc les parcelles. Merci. Voilà. En tout cas, merci à vous. Je crois que nous reviendrons à vous très prochainement pour pouvoir parler encore de la femme, parce que le leadership, je crois que ça intéresse beaucoup de femmes. En tout cas, Inès Toumba vous dit merci. Stéphane derrière la caméra, avant, je ne l'avais pas dit, mais je vous signale que c'était lui qui était derrière la caméra pour assurer la visibilité. Et je remercie comme ça la confiance du coordonnateur de Okasan, Jean-Bestiting Indaya. Je remercie la famille presse de Okasan. Alors, pour aujourd'hui, on se sépare et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.